Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de la PlayStation 5. Je vais vous parler du prix et je vais vous parler de la date. Alors pour moi, à mon avis, je pense que le prix de la PlayStation 5 coûtera plus ou moins 500 euros. Et pourquoi je pense ça? Ben, tout simplement parce que Xbox vont vendre leur console 500 euros. L'objectif de Sony, c'est pas de vendre plus cher. L'objectif de Sony, pour moi, c'est de vendre à la même hauteur que la concurrence. Et de là, je pense même qu'ils ont été plus malins et qu'ils vont encore casser les couilles à Xbox parce que si vous avez bien remarqué, il y a deux consoles. Il y a une console avec le CD et une console sans le CD. Et pour moi, je pense que ils ont fait ça pour vendre moins cher, encore moins cher que la Xbox. Genre, celui qui a pas de CD, enfin la console qui a pas de CD, il la vendrait à 450 euros, même 449 euros, juste pour niquer les prix de la Xbox. Moi, c'est mon avis. Alors, c'est qu'un avis personnel. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est pas possible avec les composants de la PlayStation, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est impossible. Le prix de chaque pièce, ben, ça ferait monter le prix de la PlayStation. Mais poto, écoute, si la Xbox a réussi à faire une machine de monstre, qui ressemble à une corbeille, on va pas se mentir, pour 500 balles, pourquoi soit coup, pourquoi Sony, il pourrait pas faire ça? C'est impossible. Si Xbox, il a réussi à le faire, Sony va réussir à le faire. Même si Xbox et Microsoft, et ils ont les pièces moins chères, ça veut rien dire. Sony a sûrement une collaboration aussi pour avoir les pièces au même prix. Voilà, ils peuvent pas niquer le système. Je pense que comme ils achètent des millions de pièces pour faire des millions de PlayStation, ils ont les prix vraiment à bas prix. C'est logique. Donc pour moi, mon avis personnel et mon espoir bien sûr, c'est que la PlayStation 5 coûtera 450 voire 500 euros. Et puis si vous voulez, avec les accessoires et tout ça, bah là c'est clair, si vous voulez la caméra, si vous voulez deux manettes, si vous voulez le chargeur de manette, si vous voulez la télécommande, si vous voulez le casque, bah là c'est clair, on va monter à du 600, 700 euros, c'est sûr ça. Mais je pense que Sony ne va jamais vendre plus cher sa console comparée à la Xbox, ils auraient aucun avantage. Et pour la date, ben elle sortira en 2020, c'est sûr. Le directeur de chez Sony l'a dit, il sortira cette année, mais ils ont encore beaucoup de choses à nous annoncer. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'elle sortira genre fin novembre, même peut-être début novembre. Mais je la vois pas du tout sortir en septembre ou en décembre. Je la vois vraiment sortir en novembre. Alors n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord. Vas-y, mitraillez-moi les commentaires, il n'y a pas de problème, je les lirai avec plaisir même. Mais voilà, ça c'est mon avis, 450 ou alors 500. Et la date de sortie pour novembre 2020. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mec et ciao. Peace.